Tu as vu l'heure? Mon enfant, je viens de passer la nuit la plus longue de ma vie. Alors fais attention, mais très attention à ce que tu vas répondre. C'est grave, très grave. Alors... Oh, papa, c'est terrible. Va t'asseoir. T'as fait une bêtise? Oui. Ça y est, c'est arrivé. On a volé une voiture. Quoi? On a volé une voiture. Mais dis-moi que ce n'est pas vrai! Si, mais c'est pas de ma faute, hein. C'est pas de ta faute. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas de ta faute. Non, c'est un copain, il voulait faire un tour avec. Oui. Et la voiture a roulé dans un fossé. On peut plus bouger. Dans un fossé, pas sur le marché. Mais comment es-tu revenu? Bah, à pied. À pied, en pleine nuit, à la merci du premier rond. Mais on vous a vu? Je sais pas, moi. Hein? Oui, non, enfin, peut-être. Oh! Mais j'ai le propriétaire porte plainte. Ma carrière est foutue. Elle est foutue. Bon, où l'avez-vous, enfin, prise, la voiture? Sur le port, devant chez Vachon. Bon, va au lit, toi. Va au lit, on s'expliquera plus tard. Allez, oui. Bon, dis donc, où il est, votre fossé? Sur la route de Gassin, après la petite ferme, tu sais. C'est ça. C'est une Mustang rouge décapotable, le dernier modèle. Vous n'auriez pas pu trouver quelque chose de plus voyant, non? Bon, je t'assure que c'est pas de ma faute, papa. Alors, maintenant, tais-toi, au lit, et défense de sortir de ta chambre. Allez, hop, allez. Là. Par exemple.